Comme il est écrit sur ce panneau, l'instruction est obligatoire mais pas à l'école, loi de 1882. Donc nous devons essayer de maintenir cette liberté-là et de lutter contre ces lois liberticides qui oppriment les gens depuis tant d'années. Ce qui est dommage, c'est le peu de mobilisation de la part des gens, quoi. Comme si seuls les gens directement concernés venaient. Il y a eu un repas à Matignon parce que notamment le Premier ministre, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le Canard enchaîné, il avait dit qu'il voulait absolument que Blanquer trouve une solution pour cette histoire. Il voulait absolument en fait désamorcer les tensions avant que ça arrive à l'Assemblée nationale. Et donc finalement, ce qu'ils avaient prévu la veille, c'est de nous donner l'autorisation en 2024. Donc en fait, on est deux ans de plus pour pouvoir faire l'instruction en famille. C'est-à-dire qu'en fait, ils nous donneraient l'autorisation en 2024. Et puis après, par contre... finalement, c'est, du coup, c'est le seul amendement un peu... le seul truc nouveau qui est apparu, c'est que c'est pas sur 2022, mais 2024 pour ceux qui le font déjà. Par contre, rien sur les fratries, c'est-à-dire si vous avez des enfants qui sont en âge de s'inscrire en famille, s'il y en a, par exemple, il y en a qui ont 2 ans maintenant, pour eux, a priori, ça c'est pas valable. Pour faire du pump track les jeudis. What? S'il y en a qui veulent faire une sorte. Nous, on décide de faire un autre choix. J'ai pas à accrocher une case, j'ai pas à demander une autorisation. Tant que mes enfants vont bien, de quel droit on va me dire si ton enfant il est apte à aller à l'école, il ira. L'école, c'est pas le service militaire. C'est pas un devoir national d'aller à l'école. L'école, c'est là pour faire grandir les enfants dont les parents veulent utiliser l'école pour ça. Les parents qui ne veulent pas ça, qui veulent un autre projet de vie, ils n'ont pas à justifier que c'est pour un handicap, que c'est parce qu'ils veulent faire un projet farfelu. Non, moi mes enfants, ils peuvent aller à l'école s'ils veulent. Et moi je peux aller retourner travailler si je veux. Mes enfants, c'est juste des enfants. Et on a juste fait ce choix de grandir ensemble, de se construire ensemble. Pour ma chaîne YouTube, moi je suis reporter indépendant, autoproclamé bénévole. D'accord. Voilà. Pour le peuple, quoi. Voilà. Il y avait une question, c'était est-ce que c'était 197 députés différents qui ont co-signé les amendements, et a priori oui. Et il se posait la question de comment ça se fait qu'on soit passé de 197 députés qui co-signent un amendement de suppression à juste 78 députés sur l'ensemble du texte. Voilà. Alors ce qu'on a su, c'est que soi-disant, pendant la crise sanitaire, ils les invitent à être peu nombreux dans l'Assemblée, sauf qu'en vrai, ils ont le droit d'avoir des dérogations, de dire à leurs potes de voter pour eux. Mais en fait, en pratique... quoi. Ah, ils peuvent pas le faire. Article, ok. C'était
faire représenter que pour la décision finale sur la loi, mais pas pour les articles. Alors ce qui est bizarre, c'est que nous, on a eu justement des députés qu'on a sollicités par texto, dont un qui nous a dit qu'il, quand il a vu que la députée qu'il a représentée est en train de changer son vote, il a demandé à faire suspendre son vote pour pas qu'elle vote contre la suppression. Donc du coup, on a pas compris quoi. Donc ouais, on est hyper étonnés qu'il y avait très très peu de Les Républicains. Et par contre, les LREM, ils étaient venus en masse parce qu'ils avaient peur. À un moment donné, ils ont même interrompu la séance pour aller chercher des Républicains, des LREM, parce qu'ils craignaient qu'en fait ça allait pas passer. Donc ils ont arrêté la séance, ils sont allés chercher parce qu'ils craignaient que ça passe pas. Quoi. Non, mes enfants, ils font partie de la société, ils rencontrent des gens variés. Ils rencontrent d'autres enfants, d'autres adultes, venant de plein d'endroits, de plein de milieux différents. Bien sûr qu'on fait partie de la société. Moi, je me sens humiliée, je me sens calomniée par les propos que j'entends. On nous met une étiquette là qui correspond en rien à notre réalité, en rien à nos envies. Qu'est-ce qui a changé si Brunera, elle a fait des interventions hyper intéressantes pour nous, pour le Conseil constitutionnel dans Le Monde ce matin, hier. Elle a dit trois choses qui vont être importantes pour nous. C'est déjà le fait que les 2 ou 3 000 enfants soi-disant radicalisés, en fait, elle a dit que c'était des extrapolations, qu'elle n'avait pas les chiffres réellement, c'était des extrapolations sur une base de ce qu'ils avaient aujourd'hui. Elle a dit que l'IEF n'était pas encadré, alors que l'IEF est quand même encadré. Et surtout, elle a dit que les critères seraient définis par décret. Donc du coup, nous, ça nous permet vraiment d'axer le fait que ça va être énormément arbitraire, alors qu'il y a plusieurs députés qui proposaient que ce soit inscrit dans la loi pour que ce soit une homogénéisation nationale. Voilà, nous, ça va nous servir pour le Conseil constitutionnel. Alors concrètement, les suites, c'est que là, c'est passé hier, l'article 21 en Assemblée nationale. La semaine prochaine, on va voter sur l'intégralité du texte. Et ensuite, ça va passer au Sénat le 1er mars. Et genre mi-mars, ça va être une commission qui va l'étudier. Et puis, ça va passer le 30 et 31 mars au Sénat. Ça va être voté au Sénat. Si jamais ils ont des infos, si jamais ils votent quelque chose de différent avec le Sénat, avec l'Assemblée nationale, ça va passer en commission paritaire. Et normalement, ça devrait en rester là. Ils sont censés trouver une solution. Sinon, je crois que normalement, ça repasse à l'Assemblée nationale et l'Assemblée nationale a le dernier mot. Voilà. Donc nous, là, on est déjà en train de préparer plusieurs portées droites. On prépare 4 portées droites, c'est-à-dire des documents qu'on va déposer au Conseil constitutionnel avec Maître Sureau, qui est un avocat au Conseil qui est hyper connu, qui est proche de Macron notamment, et qui est proche de plein de députés, sénateurs, et du coup qui nous conseille pas mal sur la stratégie. On a des profs de droit constitutionnaliste avec le hors contrat. Donc on travaille, l'association LEDA s'est associée au hors contrat et au concours correspondance et aussi à l'EDEC, les écoles démocratiques, pour faire une autre portée droite. Il va y avoir une troisième portée droite aussi avec le hors contrat et des assos UF. Et il va y avoir une quatrième portée droite portée également par l'Imperato avec Maître Faux, qui est devenu président des textes du Conseil national des barreaux et qui est rapporteur sur l'article 21 et qui vient de... il nous a dit que les avocats avaient voté une position de suppression de l'article 21. Voilà, donc on a quand même mis toutes nos chances de notre côté. On a d'ailleurs lancé une cagnotte hier pour participer aux frais des avocats, qui est à hauteur de 40 000 euros. Alors on ne s'inquiète pas, parce que la dernière fois, en 2 jours, on a levé 20 000 euros, donc on pense qu'il n'y a pas de souci, qu'on va de nouveau lever les fonds. Sachant qu'en plus, Sureau nous dit que si jamais le texte était retoqué par le Sénat, il nous ferait payer qu'un tiers du truc. Et si jamais on perd, il nous fait aussi payer qu'un tiers. Sachant que de toute façon, il faudra payer après pour aller déposer des questions prioritaires de constitutionnalité pour éventuellement aller jusqu'à l'Europe. Voilà. Et moi, je vais me battre pour moi, mais je vais me battre pour tous les enfants en UEF,
je me batte pour tous les enfants parce qu'il faut que les gens y sachent aussi. Même si vous instruisez pas vos enfants à l'école, un jour vous pourrez avoir envie ou besoin de faire recours à ce droit, à cette liberté fondamentale qui existe en France depuis les lois de Jules Ferry et qu'on essaie de nous enlever sans raison, sans chiffres, rien, avec des petites histoires là, de petites filles dans les hangars. Mais elles sont où? C'est n'importe quoi, il n'y a pas de chiffres, il n'y a pas d'études. Toutes les études, elles montrent que les familles en UF, elles font bien leur travail d'instruction, elles font bien leur travail d'éducation. Alors laissez-nous tranquilles, voilà. En Europe, sur les 100 dernières années, il y a 3 chefs d'État qui ont interdit l'école à la maison. Le dernier en date, c'est Macron. L'avant-dernier, c'est Franco. Et le premier, c'est Hitler. Je vais avoir besoin de ton briquet. Alors, oui, donc vous savez pourquoi on est là ce week-end-là? Alors, c'est parce que hier, il y a eu le vote. Après-demain, il y a eu le vote sur le 21. Après-demain, c'est sur l'intégralité du projet de loi. Mais aussi, on est à une date d'anniversaire, c'est-à-dire que le 14 février 2019, Jean-Michel Blanquer nous a sorti une super phrase dans le cadre de l'école de la confiance. Il a dit que l'instruction en famille ne devrait jamais être sous un régime d'autorisation. Donc il nous prend pour des bananes. Il a aussi dit qu'on était nos enfants c'était des sauvages. Donc je vous propose de chanter un joyeux anniversaire pour Jean-Michel. Donc voilà, ça fait 2 ans qu'il a dit que l'instruction en famille ne devrait pas être sur un régime d'autorisation. Il a évidemment la mémoire courte. Sachant qu'il y a 6 mois, il a également dit que l'instruction en famille dépendait d'un principe constitutionnel puissant. Donc Jean-Michel, plutôt que pleurer, on va rigoler. Et on va te chanter un joyeux anniversaire. Tu vois, même les bougies ne veulent pas prendre tellement c'est honteux. Attends, sinon on se met autour comme ça. On se met. Bon. Bon, qui a un fait de guerre? Non, mais c'est pas le problème, c'est pas le bon coup. C'est le... Alors, est-ce que vous êtes prêts à chanter joyeux anniversaire pour Jean-Michel? Bon, c'est pas grave. Et hop, ça veut dire... Allez, je vous propose de chanter pour Jean-Michel. 3, 4. Joyeux anniversaire Jean-Michel. Joyeux anniversaire Jean-Michel. Joyeux anniversaire Jean-Michel. Joyeux anniversaire Jean-Michel Blanquer. Donc voilà. Donc oui, vous avez vu, l'histoire de la banane, c'est aussi pour dénoncer le fait qu'ils nous prennent pour des enfants sauvages. Et on se pose la question de quel est son regard sur les enfants, en général. Est-ce que quelqu'un d'autre veut prendre le micro? Oui, moi. Non, je rigole. Moi, je dis, suppression de l'article 21, un point, c'est tout. Thank you.
de l'eau au de l'eau. Elevation. Entre les